Salut à tous, c'est Xus Carter, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre gameplay sur God of War. Et on finit justement d'arriver à... Bah sur le coup je me souviens plus du nom, mais bon. Un des royaumes de qui se trouve autour de l'arbre au monde. Tu l'as tué. Je sais pas comment on aurait fait pour passer sinon. Wow, pourquoi ils ont fait ça? Ça ne nous regarde pas, Atreus. Concentre-toi. Ça ne nous regarde pas, mais on voudrait bien pouvoir récupérer des trucs quand même. Ils ont l'air d'être un petit peu morts ceux-là par contre. Atreus, par ici. Qu'est-ce que ça dit? Ça parle d'une guerre éternelle pour la lumière. Je comprends pas, s'ils en ont tous besoin, pourquoi ils la partagent pas? Par cupidité, tu apprendras vite qu'elle est à l'origine de bien des guerres. Oh purée, ça a l'air immense ce truc. Oh la vache. Bref. Il continue de tuer les elfes blancs. Ça reste une guerre, même si elle est sur la fin. Les dépossédés ont perdu. Bon bah tant pis, j'espère pouvoir récupérer un truc, mais apparemment ça sert à rien. On n'a rien fait. Il en viendra d'autres. D'où sort cette matière au juste? Je préfère pas le savoir perso. Tu m'as parlé? Non. Oh, d'accord. Au moins, on se rapproche de la lumière. Eh, mais c'est Sindri. Qu'est-ce qu'on recherche? Pierre du Résurrection. Oh, ça peut être sympa ça, Marc. Donc il y a tendance à mourir un peu trop souvent. Bon, déjà, on va améliorer la hache. Je suis permis de la police, c'est gratuit. Oh, mais je ne t'ai pas oublié. Magnifique. Si je puis permettre. Merde, c'est lesquels que moi j'ai? C'est ceux-là. Donc non, protection de la taille, on peut pas. Pommeau de hache. Non, c'est pas acheter moi que je veux faire, c'est vendre. Le secret de tout art, ce sont les détails.
Autre chose ? Je ne sais pas à quoi ça sert, mais bon, ça doit servir, sinon on ne le mettrait pas. Couvre-épaule des arcanes, gantelet d'unité perdue de tir et ceinture de sanglier. Voyons voir. Donc, alors, le reste, je peux le dégager. J'ai plus assez d'armes de trucs. Tu voudras, jeune. Ah, est-ce qu'il te fallait autre chose? Je suis sûr que ça te sera utile. Je peux pas le vendre. Bon, écoute, hein. Il y avait quelque chose d'autre ? Non, non, tout va bien. Regarde. Non, on regarde pas. On va d'abord aller. Alors, viser pour sélectionner 3 cibles sur un. Oh, ça peut être bien. Instant, tout est au max. 1-1-1. Ça, on va le prendre aussi. Une fois que j'ai un peu de trucs, j'ai rien d'autre, non, qui coûte pas cher. Ça, tout qui est bon. Il est dégagé. Je sais pas comment j'ai fait ça, moi, mais c'est pas grave. Je suis sûr que c'était pas ça que j'étais censé le... comme ça que j'étais censé le faire, mais bon. Allez hop. Qu'est-ce que t'as dit ? Je n'ai rien dit. Ah bon ? D'accord. Tu commences à entendre des voix, c'est pas bon ça. Elle parlait de ce royaume. Pas vraiment. Elle m'a juste dit que le fait que les elfes se battent pour la lumière,
les isolait. Non, je n'ai rien dit. Étrange, j'étais sûre que t'avais parlé. Qu'y a-t-il, Atreus? Les voix! Tu les entends pas? Je n'entends rien. Elles ont disparu. Il y avait des cris. Et plein de voix, en colère. T'as vraiment rien entendu? Non. Elle paraissait maléfique. Regarde, on devrait peut-être essayer de leur parler. Non. Mais ils ont peut-être besoin d'aide. Tant qu'ils n'essaient pas de nous arrêter, ça ne nous regarde pas. Mais j'ai dit que ça ne nous regardait pas. Absolument pas où je vais, mais incroyable. C'est pas incroyable. Ça doit être le temple en forme d'anneau. Bon, apparemment, il n'y a qu'un seul chemin possible, donc tant mieux. Qu'est-ce que tu voulais me dire d'autre sur la guerre? Toi, tu connais la guerre. Pas vrai. Les guerres sont motivées par deux choses, la survie et le gain. Les batailles sont gagnées par les meilleurs soldats. Les guerres sont gagnées par ceux qui sont prêts à tout sacrifier pour s'assurer la victoire. Il y a des vasques de sable à Alfheim aussi. Quelle est la question? Sans moi ou en moi, ta mort est sûre. Mais en toi, je rends la vie plus pure. Mais je vois pas d'autres runes ici. Retournons au bateau. J'aurais dit l'âme. Chacun son truc, hein. Prépare-toi. Ça,
apparemment là de toute façon je pourrais pas. Écoute, ici on peut rien faire non plus. J'ai quand même retourné ce tournoi, c'est pas mal, c'est le gosse par-dessus. Non, on peut pas y aller, bon bah tant pis. Était une guerrière. Excusez-moi. En quelque sorte, tac, sa famille a été décimée par une famille rivale et elle seule a survécu. Elle a vécu comme une guerrière, mais son combat était de continuer à vivre, d'affronter seule un monde sans pitié. C'est pour ça qu'elle a demandé à Sindri et Brock de lui faire la hache. Elle avait la force de manier une telle arme et la sagesse d'en faire bon usage. Elle se faisait fort de protéger les faibles. Donc, elle aurait aidé les elfes ? Non. Ouais, bon, il n'y a pas grand chose d'autre à faire, donc on va devoir aller plus loin. La porte bleue, ça doit être l'entrée. Allons-y! Fais attention, Atreus. Qu'est-ce qu'ils font? Le pont a disparu. Ils ont recouvert le cristal de cette chose. Pourquoi? Pour empêcher l'arrivée des renforts. Sous-nous! C'est parti! Enfin, je crois. Je suis avec quoi? Attention au tir!
qui nous attaquent. Nous sommes sur leur territoire. Attends, si on les associe comme ça, ça ressemble un peu à une rune. Mais ça veut rien dire. Viens, retournons à la vasque de sable. Qu'est-ce que c'est ? On va le faire à l'ancienne. Hein. Père, tu as déjà rencontré quelqu'un qui entendait des voix ? J'ai connu des marins désespérés qui, à court de vivre, étanchèrent leur soif avec de l'eau de mer. Nous continuerons plus tard. Père, les piliers et l'anneau forment une rune elfique. Hein, si tu le dis. Quelle est la question ? Sans moi ou en moi, ta mort est sûre. Mais en toi, je rends la vie plus pure. Oui, c'est forcément l'eau. Et c'est maintenant que tu trouves ça ? Atreus ! C'était encore des voix. Mais elles étaient différentes. Elles n'étaient pas en colère. Elles demandaient de l'aide. Nous sommes là pour la lumière. Je me fiche de ces voix et de ce qu'elles veulent. Tu te fiches de tout, de toute façon. Tu as quelque chose à me dire ? Non. Lugger. Qu'est-ce qui se passe ? Wow, il y a un pont, apparemment. Regarde ce qu'on a trouvé ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oui. Les voix que j'ai entendues, elles étaient dures à distinguer, mais dans le fond, je suis presque certain d'avoir reconnu ma main. C'est impossible. Mais je sais ce que j'ai entendu. Atreus, ça suffit. Il est pas comme les autres. T'as vu ses cornes ? Mets-toi derrière moi. C'est pas bon signe. T'approches pas des cages. Je me demande pourquoi ils sont enfermés. Quelque chose me dit que faire ça, justement, ça va les ouvrir les cages. Tiens-toi prêt. Quoi ? J'espère que ça en valait la peine.
question c'est comment est-ce qu'on l'ouvre. Ah, comme ça peut-être. Regarde, encore un coffre d'énorme. Alors, où sont les seaux? Je crois que ce couloir latéral mène au temple. On va bientôt le savoir. Ah non, non, faut que je monte là, il y a encore un. Il y a un coffre. Voilà. Une pomme, j'imagine. Oh, bah tiens, j'en ai trois. Il me reste logiquement encore trois, puisqu'ils m'ont dit au départ qu'il y en avait neuf. Alors, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite. Salut !